Bonjour, vous êtes bel et bien sur le vlog du pasteur Serge Bia. Aujourd'hui, nous allons parler sur quelques règles de savoir-vivre qui sont très utiles pour nous en tant que messieurs, en tant que madame dans cette société actuelle. Car certains milieux bien-aimés dans le Seigneur, ça demande une certaine bonne dose de connaissances, de notions de savoir-vivre qui peut vous faire briller comme une étoile. Et lorsque vous en ignorez, et ça peut vous faire paraître ridicule. Prenons par exemple quelques règles d'une façon ramassée du savoir-vivre. Le savoir-vivre est extrêmement important pour la majorité d'entre nous. C'est parti pour une petite peut-être remise à niveau qui ne fera pas de mal à personne. Donc la première règle que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est savoir se tenir sur la table quand vous êtes invité chez les gens. Grâce aux conseils délivrés, par exemple, par de quelques coachs, par quelques personnes qui maîtrisent bien l'art du savoir vivre, bien aimé, il est très, très important de savoir se tenir sur la table, surtout quand vous êtes chez des gens ou on vous a invité dans un restaurant ou c'est votre première rencontre avec votre amouré ou avec une personne que vous voulez aborder ou à un ami que vous a invité ou des collègues de travail, il est très très important de savoir se mettre sur la table pour ne pas paraître ridicule. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir lorsqu'il faut se mettre sur la table? D'abord, on se tient bien droit sur la chaise. Le rein ne touche pas les dossiers. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Lorsque vous êtes assis sur votre chaise, ne courbez pas votre dos, soyez bien droit lorsque vous êtes assis. Alors la deuxième des choses, les mains sont posées sur la table, de chaque côté de l'assiette. On attend que la maîtresse de la maison ait commencé à dîner et pour que vous puissiez aussi commencer. Donc ne commencez pas avant votre hôte, donc attendez qu'elle puisse vous dire, vous donner le signal de commencer et là vous pouvez commencer à manger. N'ayez pas l'habitude de mettre vos mains sous la table, ayez toujours vos deux mains d'un côté comme l'autre de la table pendant que vous êtes en train de manger. Alors, là, une autre chose aussi que vous devez savoir, on ne doit plus délicatement sa serviette, on la met sur ses genoux. Puis, à la fin du dîner, on la pose sur la table sans la plier. Donc, ça veut dire que vous l'avez utilisée. Donc, la petite serviette qu'on met à côté, donc pour ne pas vous salir, vous la dépliez et vous le mettez, vous le posez sur vos genoux, afin que lorsque vous mangez, s'il y a quelque chose qui tombe, au lieu que ça puisse vous abîmer les habits, ça peut tomber sur la serviette. Alors, une fois que vous avez fini de manger, ne la pliez plus, vous la laissez comme ça. Pourquoi? Parce que ça demande que c'est une serviette qui a été utilisée. Alors, une autre chose aussi à savoir, on lève son coude pour boire. Et on ne boit pas son petit doigt en l'air. Donc, quand vous buvez, c'est le coude qu'on lève. Ce n'est pas le doigt qu'on lève quand vous avez votre verre que vous voulez boire. C'est votre coude que vous levez pour boire et non votre doigt en l'air. Alors, une autre chose aussi à savoir, la fourchette monte vers la bouche. Ce n'est pas la bouche qui descend vers la fourchette. On ne sauce pas, même avec sa fourchette. Et même si c'est tenant, on ne coupe jamais sa salade avec son couteau. Donc, lorsque vous mangez, je sais que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais lorsque vous mangez, il y a toujours cette habitude-là, qu'il faut que votre fourchette parte de votre assiette vers votre bouche. Vous ne pouvez pas baisser votre bouche juste à côté de l'assiette pendant que vous mangez. Ça ne va pas donner une très, très, très bonne image de vous. Alors, entre deux bouchées, on place ses couverts sur l'assiette perpendiculairement et on ne le fait surtout pas tenir en équilibre de chaque côté de l'assiette. Donc, quand tu as mangé, tu as pris ta bouchée, alors tu déposes, par exemple, le couteau ou la fourchette d'une façon perpendiculaire sur l'assiette.
Et non, vous le laissez en train peut-être de, en désordre ou en regardant verticalement, horizontalement, non, d'une façon perpendiculaire. Quand vous, entre deux bouchées, vous le déposez d'une façon perpendiculaire. Alors, une autre chose aussi, on ne fait pas des grands gestes en tenant ce couvert et on ne se sert pas de son couteau pour désigner quelque chose. Prenons par exemple, vous voulez demander qu'on vous donne par exemple du beurre ou que vous voulez qu'on vous demande qu'on vous donne salade ou qu'on vous donne l'haricot, tu ne vas pas prendre ton couteau pour vous montrer donnez-moi ça. Non, non, tu n'utilises pas ton couteau. Tu dis s'il te plaît, est-ce que je peux avoir du beurre? Et puis là, on va vous donner. C'est quand même très très important. On pense à essuyer sa bouche avant de boire. Donc lorsque vous le boivez, essayez d'essuyer votre bouche avec la serviette que vous avez et ensuite on boit son verre. On coupe un morceau de pain avec ses doigts et surtout pas avec un couteau. On ne s'intéresse pas à son voisin de gauche comme celui qui est à droite pendant que vous êtes en train de manger. Enfin, mais qui ne laissez pas, on ne parle pas la bouche pleine pendant que vous êtes sur la table. Et ça, ce sont de quelques notions de politesse pendant qu'on vous invite à aller manger. Donc, n'ayez pas cette habitude-là, votre interlocuteur qui est en face de vous et vous, vous parlez avec toute la bouffe sur la bouche et il y en a d'autres qui sautillent de gauche à droite. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, vous attendez que vous terminez de mâcher votre repas et vous l'avalez. C'est alors que vous allez prendre parole. Alors, le deuxième règle que nous allons apprendre aujourd'hui, je salis et je fais la présentation. Alors, messieurs, il faut toujours sourire. Le plus parfait des gentlemen sera tout à fait impoli s'il montre son visage fermé. Donc, pendant que vous êtes arrivé quelque part, on vous présente, ça c'est Luison, ça c'est Serge, ça c'est Alain, ayez toujours un sourire. Ayez toujours un sourire sur vos lèvres pendant qu'on vous présente. N'ayez pas l'air fistré, renfrogné, et lorsqu'on vous présente, ça ne donne pas une bonne image de vous ou de politesse. On doit se souvenir qu'on n'aura pas deux fois la chance de faire une première bonne impression. On dit toujours la première impression est bonne. Donc quand on vous invite, faites toujours une bonne impression parce que l'impression que vous donnez peut faire en sorte que la personne n'ait plus envie de vous rencontrer. C'est le moment de prouver combien on est sympathique et toutes les portes vous seront ouvertes tout simplement avec de petits gestes comme ça. Alors au bureau, dans la rue, chez les amis, vous serez sans cesse confronté à une situation simple qui déroute pourtant certaines personnes, par exemple lorsqu'on fait des présentations. La règle n'a rien de sorcier, par exemple. On présente le plus jeune au plus âgé. L'homme à la femme, celui qu'on connaît le moins bien à celui qu'on connaît le mieux. En aimant la personne que l'on veut honorer, on aura l'information en priorité. Donc, lorsque vous présentez, commencez toujours par présenter le plus jeune vers le plus âgé. Vous présentez toujours l'homme et ensuite vous présentez la femme. Et on n'oublie pas, quand on serre la main, elle est franche et on regarde dans les yeux, droit dans les yeux de la personne. Donc, quand vous présentez ce monsieur Serge, vous serrez la main de la personne, vous le regardez droit dans les yeux. Vous ne baissez pas la tête comme un timide et ça, ce n'est pas... ça ne donne pas une bonne impression d'une personne qui est polie et bien éduquée. Donc, la main, quand vous tendez la main à une personne, ne la serrez pas trop fort aussi votre main comme un boucheron. Donc, ayez votre souplesse dans deux mains lorsque vous tendez la main à une personne qui est en face de vous. Alors, on va dans la troisième catégorie des règles. Ça, c'est plus pour les hommes qui sont galants. Certaines règles de bienséance paraissent complètement à côté de la plaque. D'autres subsistent encore à chaque homme, comme par exemple dans le 21e siècle, doit les connaître. Donc il y a certaines règles que nous devons connaître en ce plein 21e siècle. Et certaines femmes, elles aiment ça aussi. Quand tu veux être un homme galant, tu dois connaître aussi ces règles de la galanterie lorsque tu es en face d'une personne. L'homme entre en premier dans un restaurant. Une manière de vérifier que le lieu n'est pas
malfamé, que c'est un bon milieu. Donc c'est l'homme qui entre en premier. Tu ne vas pas exposer quand tu invites une femme au restaurant, tu ne la laisses pas entrer en premier. C'est toi qui entres en premier pour vérifier que tout est au contrôle et tout est bien. Alors, il passe devant une femme dans un escalier en montant comme en descendant. Ainsi, il ne regardera pas ses jambes en montant et en la protégeant d'une chute si elle trébuche en descendant. Donc, pendant que vous montez sur l'escalier, toi, tu es derrière la petite madame, tu dois tes yeux, tu ne peux pas regarder ses jambes ou regarder ses poses derrière, quand pendant que vous montez, ce n'est pas poli. Et pendant que vous montez, au moins, vous soyez derrière la femme quand vous montez sur l'escalateur pour la protéger au cas où elle voulait tomber, mais ayez vos yeux, peut-être vous regardez la tête ou ailleurs, c'est quand même quelque chose de très très important aussi. Alors, au restaurant, l'homme fait asseoir la femme sur la banquette d'eau au mur, afin qu'elle puisse contempler la salle. Il ne laisse jamais son verre vide. C'est à lui de la servir du vin. Il lui laisse choisir ce plat, mais celui qui passe la commande au maître d'hôtel. Donc, pendant que tu invites une femme au restaurant, pendant que vous êtes en train de manger, la chaise qu'on donne à la femme, c'est la chaise qui tourne le dos au mur, qui regarde vers la salle. Et pendant que vous commandez, tu demandes à la femme ce qu'elle veut, mais c'est toi l'homme qui commande au maître d'hôtel ce qu'il veut et tout et tout. Et tu surveilles aussi le verre de la femme, comme nous chrétiens, on n'est pas dans le vin. S'il y a de jus ou il y a quelque chose, du jus d'orange et tout, c'est toi qui remplis le verre de la femme. Ça donne une très très bonne image de toi aussi. Alors, l'homme s'élève quand une femme entre dans une pièce où qu'il soit. Donc, lorsqu'une femme entre dans la pièce, tu dois te mettre debout, ne fût-ce que par politesse, ça n'enlève en rien. Ne soyez pas trop macho par rapport à ça. Alors, dans la rue, il marche du côté de la chaussée. Jamais du côté du mur qui est réservé à la femme. Donc, pendant que tu marches avec la femme, prenez toujours soin de la placer du côté du mur. Ne la placez pas du côté de la chaussée. Tout simplement, vous avez ce réflexe-là d'être un protecteur. C'est quand même quelque chose de très, très important. Alors, ce que nous devons aussi savoir, l'homme, quand il est en face d'une femme, lorsqu'il veut le saluer, il attend toujours que la femme lui tende la main pour, à son tour, lui tendre la sienne. Mais il ne lui fera jamais de baise-main s'il rencontre à l'extérieur, donc dans un restaurant ou dans n'importe quel lieu public, ou encore si elle est une jeune célibataire. Donc là, c'est lorsque vous tendez la main à une femme. Alors, lorsque vous êtes en face d'une femme célibataire, ne le baisez pas la main là, comme on le faisait dans le temps, comme lorsque vous êtes en face d'un célibataire par exemple. Alors, une autre règle aussi, lorsque vous invitez les amis chez vous, ça doit être un plaisir. Vous devez le faire d'une façon conviviale. La première des choses que vous devez savoir, donc dresser une très très belle table, mettre des nappes, des tissus, plein de fleurs, ou si vous voulez, des bougies, des fourchettes à gauche, ou des couteaux et tout, lorsque vous embellissez la table, vous mettez un peu de parfum dans la maison et tout, déodorant, et tout pour que la maison sente bien, une bonne, très, très bonne lumière quand vous invitez les amis ou un ami chez vous à la maison. Alors, quand les amis arrivent, on est heureux de le voir et on ne se prive pas de leur dire. On le présente les uns aux autres quand les amis viennent, par exemple, s'ils ne se connaissent pas, les amis sont là et on vous le présente les uns aux autres quand ils ne se connaissent pas, par exemple. S'il apporte une boîte de chocolat, on n'oubliera pas de le proposer à la fin du dîner. Si c'est une bouteille de champagne qui est fraîche, on le sert aussi aux amis. Et ça, c'est un élément très important. Quand vous allez chez des gens qui vous ont invité à dîner, essayez d'amener un petit cadeau ou un paquet de chocolat, un peu de jus, un peu de ceci, pendant que vous allez là-bas. N'allez jamais main vide quand on vous invite chez des gens et vous présentez jamais mais vite. L'invité d'honneur le plus âgé ou celui qui n'est pas encore jamais venu
est à droite de la hotte de la maison, par exemple, et son conjoint est à droite du, par exemple, du mari de la conjointe. Et on respecte l'alternance homme et femme pendant que vous vous mettez sur la table. Donc, il faut respecter homme, femme. Ne mettez pas de femmes dans leur coin et les hommes dans leur coin. Non, il faut toujours alterner. Alors, le fiancé ou le marié, depuis moins d'une année, sont assises côte à côte. Par exemple, le fiancé, vous le mettez côte à côte. La hôte de la maison doit être attentif aux invités. Donner la parole au silencier, interrompre avec délicatesse le bavard. Donc, pendant que vous êtes à table, ne monopolisez pas la parole quand on vous invite chez les gens. Ou laissez aussi ceux qui ne parlent pas l'envie de parler. Ne vous mettez pas dans votre coin, vous parlez entre vous, et le moins bavard, vous le laissez dans leur coin. Non, quand vous invitez chez les gens chez vous, faites parler même le moins bavard, donnez-leur la parole, ça sera une bonne chose. Et ne soyez pas comme un clown chez des gens, et c'est toi qui animes, qui fais le clown chez les gens. Non, c'est moins respectueux. Quand vous allez chez des gens, parlez quand il faut parler, et c'est taire quand il faut se taire. C'est quand même quelque chose de très important. Alors, voilà, ça, ce sont peut-être quelques notions quand on vous invite chez des gens, comment vous devez vous comporter, tout et tout. Ne vous levez pas pour aller prendre la télécommande, aller changer de chaîne chez des gens, comme si c'était chez vous. Ne vous levez pas, par exemple, aller baisser la température du chauffage ou monter la température du chauffage. N'allez pas commencer à vous trimballer dans la maison d'autrui, aller ouvrir les portes, aller ouvrir de ceci ou de cela. Ce n'est pas une bonne chose. Ou quand vous allez dans la salle de bain, ne commencez pas à aller ouvrir l'air pharmacie, aller prendre de l'air de beauté qui n'est pas la votre et commencer à l'appliquer sur vous, utiliser le parfum d'autrui que vous utilisez, que vous trouvez dans la salle de bain, ce n'est pas une très 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 bonne chose. Ou aller ouvrir le frigo des gens, vous lever, aller... Non, ce n'est pas une bonne chose. Et quand vous invitez chez des gens, vous mettre tout le temps debout, aller à gauche, vous lever et tout, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous arrivez chez des gens, prenez votre place, soyez calme, observez, attendez qu'on vous invite sous la table, quand on vous demande pas de faire quelque chose, ne le faites pas, ne mettez pas les autres mal à l'aise, et pendant la conversation aussi, vous devez éviter de parler de vie privée des gens quand ils ne sont pas là, aborder des sujets personnels des gens, non, il faut parler rester sur la culture générale, rester sur la, comme nous les chrétiens, on reste sur la religion, et on parle sur de l'actualité et sur des sujets généraux. Donc, évitez d'aller toucher dans de vie privée des gens, ce n'est pas bien séant quand vous êtes chez des gens, et évitez de blagues inutiles quand vous êtes chez des gens et tout. Ayez un comportement droit, sentez-vous à l'aise, ne soyez pas frustré comme dans un camp militaire, mais soyez respectueux quand vous allez chez des gens, ça donnera une très bonne image de vous-même. Voilà quelques notions de règles de savoir vivre que nous devons adopter quand nous sommes invités chez des gens. Et ne restez pas aussi tard quand vous allez chez des gens, soyez respectés les gens qui vous ont invités parce qu'ils doivent se reposer aussi. Comme c'est un samedi, le dimanche, ils vont aller à l'église. Donc, restez 1 heure, 2 heures, c'est mieux. Mais ne restez pas jusqu'au minuit, 23 heures, minuit, et que les gens commencent à somnoler. Vous êtes toujours là. Non. Donc, respectez les gens qui vous ont invités. Voilà. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.